Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Donc, petite intro pour une vidéo qui va durer un petit moment, étant donné que c'est une vidéo de plus d'une heure, étant donné qu'il s'agit du coup de mon premier Ogrest du coup que j'ai effectué du coup à l'heure où je vous parle hier soir. Normalement, elle sort aujourd'hui même la vidéo que vous voyez. Je sais pas encore à quelle heure, ça sera la surprise après tout. Bref, du coup, pour vite fait résumer, donc c'était mon premier Ogrest, donc on a fait une compo, donc on était avec Aku, qui est, enfin que des membres de la guilde, quoi, en fait. On était avec Aku qui disposait du coup de trois persos, comment ça s'appelle, support. Donc il avait son P.K., il avait son Ménétrophe et son Enyrypsa. Tandis qu'on avait Eagles qui avait que son Héliotrope et moi qui avais du coup mon Ekaflip et ma Crap parce que du coup on jouait principalement les DPS. Et puis de toute façon j'ai principalement des persos de sang montés en DPS, hein, on va dire. Enfin, en même temps j'en ai que deux, ça va pas aller plus, on va pas aller plus loin là-dessus. Bref, du coup je vous souhaite à tous un bon visionnage en espérant que ça va vous plaire. Ça peut aider peut-être pour certains qui cherchent à savoir la stratégie un petit peu dans chaque phase de Dofus. Nous on a beaucoup été aidés par un coup étant donné qu'on ne connaissait pas le truc. Alors je précise, c'est pas techniquement mon vrai premier Ogrest étant donné qu'on l'avait fait le soir, enfin le jour d'avant on avait tenté une trial, donc on s'est foiré, je sais plus quand exactement, mais on est mort. Du coup techniquement c'est pas vraiment la première trial, mais enfin c'est la deuxième, mais pour moi c'est vraiment le premier vrai Ogrest que je fais. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage et à une prochaine vidéo du coup. Tchuss les gens. On fait comme hier au niveau Macra la pute suit. Et j'avais pas de pain. Ah. Super. Ouais, donc du coup, tu te mets parler avec la Cra, tu vas ramasser. Honnêtement, l'Hélio avec ça, c'est pas déconnant, et la Cra avec ça pour. Et si on t'a pas un autre truc meilleur que ça encore? Bah, je sais pas, elle a peut-être ça, mais c'est que 4 PO quoi, c'est pas ouf par rapport à crit assuré, 500 maîtrise crit, et enfin, tu vois quoi. C'est quoi le meilleur pour Helio du coup? Le sablier, ça te donne 2 PA pour mieux jouer, et en plus derrière, ça te permet d'être immunisé au ral PA d'Ogrest. Ok. Dans le doute, il ne fait des ral PA que dans une seule phase. Mais c'est la phase auquel il faut que tu restes le plus loin possible, donc c'est parfait. Donc du coup. Il faut le taper là le boss? Ouais. C'est là où faut toujours le taper au moins une fois. C'est C'est ça. ça. Je l'ai tapé une fois avec. Ah, c'est ça, Avec faut ce. qu'on le tape chacun notre tour, ok. Ouais. Honnêtement, sans vouloir dire quoi que ce soit de dégueulasse, avec cette team, la strat elle s'emboîte comme des Lego. Si tu le dis, on verra si t'as raison. Tu le dis à quoi? Pour faire Moi top, c'est ça. j'aurais préféré Active Rocks, mais bon, à coup il voulait pas donc. Oh, je comprends pas. Je comprends pas, bon. Là, elle marche peut-être pas dans la lave, bizarrement, je sais pas pourquoi. Je sais pas, moi. Tu tapes, 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 et tu termines ici. Sur l'arc? Oui, et on peut pas ramasser deux artefacts à la fois, donc même s'il termine dessus, il n'y a aucune conséquence. Que ce soit conséquence à la con ou conséquence normale. Tu mettras un chacha ici? Ouais. Pas de soucis. Alors du coup, ce n'est pas directement l'ocre, alors je vais essayer de sécuriser un petit peu le truc. Ah oui, Et tu mets hier qu'on avait tenté, ça a été lock juste après. Donc tu mets un chacha ici, tu te mets là et tu tabasses Ogrest. Attends, je lui ai fait vachement mal avec l'hélio, putain. Normal, là on a un perma moins 200 avec les Nutrophes. Ah ouais. Les papates, tu tapes et tu termines par là, comme ça j'ai la vision sur toi plus facilement. Je vais le faire direct. Hop, comme ça je tape. Je suis en train de me perdre dans mes touches. Et tu termines là en fait, finalement. Ou là. Tu choisis. Mmh.
Alors du coup, les cafés, pas le bonus le plus important pour moi, ne pas boucher les lignes de vie. J'avais complètement sapé, j'avais plus de pain et je pensais qu'elle était full vie, Macra, tu vois. Hop. Donc du coup, je vais m'éloigner un tout petit peu. Je sais pas pourquoi. Je vais faire un petit soin là. Un petit bisou magiquiste. Non, je déconne. Sinon, je suis en berserk. Bah attends. Je me disais aussi, j'ai pas tapé fort. Mais oui, je suis pas berserk. Ah bah c'est sûr que si t'es pas berserk, ça va pas aider. Donc du coup, normalement, dans cette phase... T'inquiète, ça, je l'avais prévu. Donc du coup, avec la crate, tu continues à accumuler du troublé sur le boss. Yes, comme d'hab. Comme d'hab, tu me mets sur le côté avec les cafés quand... Ouais. Hop. Genre vers où je me mettrai? Juste là ou là. Enfin... Il risque pas de me taper? Il m'a déjà fracasse en fait. En fait, faut pas rester trop longtemps à côté de lui. Ça, c'est certain. Le force d'Arcœur s'est fait exprès. Ok. J'essaye de montrer mon petit fessier là pour qu'il essaye de me frapper. Mon petit fessier avec le petit pagne là. D'ailleurs, il le sort d'où, c'est son slip. Ouais, je crois bien. Bah, tu frappes autant que tu puisses. D'ailleurs, il a plus de PM, c'est sympa. Pour nous. Et t'essayes de terminer là et t'espères qu'Ogrest te touche un coup. Le heurt te fait plus de dégâts. Je sais. Je voulais tenter, voir. Ouais. Donc là, tu... Tu te décales ici avec des sauts et des... En gros, je vais juste essayer d'assurer ta survie quand même, hein. Je suis pas un monstre non plus. Ah ça, on sait jamais le temps. Je vais sur l'alarme avec l'Acra. Tu frappes et tu vas sur l'alarme, oui. Putain. La maîtrise critique, hein. 100 ans de maîtrise en plus. Hein. Oh ouais, mon gars. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Et comme il a plus de résistance en plus. Alors du coup, je continue encore à le taper. Parce que c'est drôle. C'est une bonne raison. Vous avez pas le droit de juger. On n'a pas dit le contraire. Et du coup, pour gagner, il faut faire quoi en fait pour gagner au reste? Il faut survivre très exactement 21 tours. Donc le tour, enfin tout le temps des phases quoi en fait. Ouais. Ah, quoique 6 fois 3. Il y a une dernière phase de 3 tours après. D'accord. Où il active aucun Dofus. C'est ça? Ouais. Ok. Mais quand il active aucun Dofus, bah il a pas de pouvoir, littéralement. Ouais, c'est une merde en fait. Bon, je risque clairement de mourir au prochain tour. Avec ton Lio ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai pris 30%, j'ai pris 36% de dégâts, il m'en reste que 34. Je risque de ne pas mourir au prochain tour. Mais peut-être au tour d'après. C'est pas bon ça. Je reste derrière lui, moi, avec les cas, ou je passe sur le côté encore ? Ramasse tes boubours, toi. Tu restes derrière lui. Non, parce que les bourses sont vides là. C'est vide? En gros, c'est juste parce qu'on n'a pas. Il n'y a pas de drop dedans. D'accord. C'est un peu nul, mais ok. Voilà. J'ai mis moins 300 res. En fait, parce que lui, il est capé différemment. Toi, tu te mets là. Non. Pas dans la lave, surtout, en fait. Quoi?
Parce que oui, la lave touche ce qui est à côté et pas que dessus. Tu vas le raise ou je le fais? Oh, la flemme de le raise, pour l'instant. T'aurais dû me le dire un coup. Tu vois pas le lapino qui crève comme une merde depuis tout à l'heure alors que la lave le touche pas? Ah non. Donc je reste là avec les cas. Oui. Avec la cra, tu te mets là, tu fais une grosse destru et tu roules à dos jusqu'au bout, là-bas. Je te ressuscite plus tard, là, pour l'instant. Jusqu'à où, tu m'as dit? Loin, quoi. En fait, je vais pas te ressusciter maintenant, parce que sinon, tu recrèves comme une merde. C'est attendons très... la fin de la phase, ouais. On passe sur la phase ivoire, au moins. C'est juste ça, hein. C'est pas... je te résous pas parce que t'es moche et que je te déteste. Ouais. Enfin, si, bah, faut pas le dire. Putain, je suis dégoûté. T'es mort comme une merde, ouais. Bon, bah... De toute façon, j'ai pensé que... Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit de te mettre là. Si je te dis des trucs, c'est qu'il y a des raisons, en général. Non, je voulais mettre là pour récupérer mon portail, ça je pouvais faire... Ouais, mais fallait juste en ouvrir un autre, en fait. Donc ça, je voulais faire un pied déluge. Fallait juste en ouvrir un autre. Ah, j'avais oublié ça. Crois-moi, c'est pas parce que je suis con que je te dis de faire certaines choses. Ah bon, désolé, je croyais. Je suis vraiment désolé. C'est gratuité, mon gars. Tu vas te faire foutre, maintenant, tout de suite, et je te kick du décote. ce que tu vas faire, c'est que tu vas enchaîner le tanking avec les cas. Ouais. Oh, merci pour cette magnifique transition. C'est vrai que là, c'était donné. En fait, du coup, le rôle de l'Enutrof, c'est de le... De le râle un peu PM, PA... Enfin, PM, plutôt. C'est vrai. Principalement PM et les tours d'archétype PA. Et tout le temps, l'hérésie. Là, faut taper de face obligatoire. Je prends les PA ou... Prends les PA, tu peux. Tu dois aller de face et le fracasser. Donc là, c'est bon, quoi. Tu peux rester à son cake, évidemment, étant donné que tu as la boussole de traverse. Donc là, je peux aller à son cake, quoi. Oui. En gros, la boussole de traverse te stabilise vis-à-vis d'Ogrest. Qui est un effet très sympa. Avec la crash, je peux le taper, tu penses? Tu vas là, puis là. Hop, déjà, ça c'est sûr. Et si tu vas là et que tu fais une roulade par là, tu devrais. Bien évidemment, les capis bougent pas ligne de vue, donc tu peux taper en free. Bon, Ekel, t'as fini avec tes conneries maintenant? Non. Sainte mère de Dieu. Tu l'atteins, là? Putain, oui, tu l'attends de là. La PO. Hop. Pas de conneries cette fois. Ouais. Je fais quoi du coup? Alors du coup, tu ouvres un nouveau portail par là. Non, tu termines juste sur l'alarme, j'ai envie de dire, sur le coup. Mais en vrai, tu prépares quelques portails pour pouvoir toucher son côté au prochain tour. Et après, le dos. Ça marche. Et du coup, je finis où, tu m'as dit? Sur l'alarme. Je le tape pas, du coup? Non, parce que tu lui feras zéro. Ok. Mais je vais pas mourir, t'es sûr? Tu pousses mon Fekia aussi. Quand tu vas sur l'alarme. Merci. Encore? Non, c'est bon? C'est bon.
voulez voir le truc le plus stupide au monde ou pas? En ogresse, le but c'est de s'amuser en même temps. Sinon. Donc, du coup, vous souvenez-vous de ces deux positions-là. C'est les deux positions interdites. Lesquelles? Celle du féca et celle du gras. Tout ce qui est dans un radius de 3 cases risque la mort instantanée au tour 6. Pas tout compris. Donc, en gros, faut pas être à 3 cases de l'un de l'autre, c'est ça? Non, en gros, c'est juste il a balancé un gros rocher ici et un gros rocher ici. Ah, mais il y a le marquage, de toute façon. Non, il y a pas de marquage, justement. C'est moi qui gonfle. D'accord. Parce que sur l'autre, c'était sur quelle face qu'il y avait le marquage où on se prenait des rochers? C'était l'autre. D'accord. Donc, moi, en gros, faut pas retourner à la même position qu'on était. Alors, du coup, Miss, je t'invite à ramasser le marteau de Darkling Moon pour lui envoyer encore plus de pâté de là et te barrer pour l'instant. Parce que... non, c'est au cac, moi. Oui, non, mais t'es pas obligé en soi. Tu tapes et après tu finis ici. J'utilise pas le marteau? Tour prochain. En fait, parce que tour prochain, on va pouvoir taper deux. Et tu m'as dit d'aller où? Juste là. Okay. Ça sera plus rentable en fait tour prochain, c'est pour ça. Je tape avec la croix. Ouais. Il faut être de côté. Ah merde. Toi tu me peux tirer. Je vais où justement? Je vais où avec la croix? Tu attends ici, on verra. Ok. Elio, tu déplaces un portail ici, tu te mets là et tu... Oui, je fais quoi? Tu te casses. Tu tapes. Ah, ok. Non, tu tapes. Tu peux me soigner? On va dire oui. Ouh, heureusement que ça a pas crit. J'avoue, c'est le seul sort qui a pas crit, et c'est bon. Comment tu fais ça? Mais t'es con? Mais pourquoi tu fais ça avec ton lapino, t'es con? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas. Donc, du coup, ce qui va se passer... C'est qu'on va téléporter au Grest. Pas loin de là. Par là, quoi. Ok. C'est ton Enul qui fait le truc du TP d'Ogrest? Oui. Ok. Donc, du coup, rappelez-vous, par là et par là, c'est assez dangereux. Donc, du coup, n'y allez pas. Sauf si vous êtes con. Si on est suicidaire, quoi. Tu veux du bouclier, un lapino? Mais j'ai rien à foutre. Donc du coup, Ekle, cadeau. Tu veux que j'en fasse quoi de ton boss de merde? Je le tape. Ouais. Donc en gros, ce que je fais, c'est que j'ai donné accès au dos à toute l'équipe. Je fais quoi là avec les cartes? Tu fonces dans le tas, tu poses le marteau et tu lui pètes les dents. Et râlerait si tu peux en vrai, non? Je sais pas si c'est rentable. Non, il est déjà full râlerait, tape le à mort. Ah merde. Je me bouge peut-être, non? Non. Non, je reste à son cac? Ouais. Ça marche. Tout à l'heure, je t'ai dit pas rester à son cac pour ne pas te faire trop. Voilà. Là, tu fais une grosse destru et tu finis par là. Pas mal la destruction. Ouais.
Hickle, toi, ce que tu vas faire. Déluge, 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 déluge. Tu te mets là, tu déluges et tu reviens ici. Ok. Et moi, ce que je vais faire, c'est que... Pour la première fois, je vais penser à faire ça. Tiens, Hickle, cadeau. Ah, ça va coller des patates, là. Ouais. On est d'accord, j'ai dit la fin, non? Ouais. Ouais. Ce que t'as dit. Full déluge-le. Et serein. Tu peux pas juste passer avec ton truc. Non. Quel gamin. C'est un enfant. Et donne mon lapino, je te jure. Qu'est-ce qu'il prend? C'est un zobel en fait, tu vois. Avant la mage. Phase émeraude, on l'a pas eu la dernière fois celle-là. Ouais. Alors là, il faut taper en son exact centre, sauf pour l'hélio. Et à chaque fois que tu lui infliges des dégâts, tu es rapproché d'une case. Donc en gros, faut taper de face. En gros, tu dois taper à partir de cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Ok, juste dans la ligne du milieu, sur les côtés, quoi. Enfin, sur n'importe quel côté. Exact. Le fait est que, à chaque fois que tu tapes, ça va t'attirer vers Ogres et ça va repousser tout ce qui est aligné à toi. Ça marche. Bien sûr, la stabilisation... la règle, elle n'est pas très très respectée. Tu dois toujours taper au milieu si tu stabilises, mais en gros, tu vois l'idée, quoi. Mm-hmm. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te décaler ici, comme ça, yes. Comme ça, tu pourras taper direct. Yes. Est-ce que je me barre ou je resterai... Ce que tu fais, c'est qu'il faut faire attention à la crabe, parce que là, si tu tapes, tu vas la pousser dans la larme. Donc, en fait, faut que tu décales ici à chaque fois pour frapper, ça, c'est relou. À quoi que c'est Hickle après. L'Eniripsa, tu t'en fous un peu. Hop, tu finis ici. Je continue pas de taper? Non, parce que sinon, soit tu pousses Hickle dans ou ta cra dans l'alarme. Ok. Et l'alarme fait des malus très énervants. Du genre, vous perdez la totalité de vos dégâts et de vos soins. Je peux taper avec la cra, du coup. Ouais, tu peux là par contre. Le malus, c'est du vous perdez la totalité de votre mobilité, de vos dégâts et de vos soins. Donc du coup, c'est un truc que tu aimeras pas, quoi. Pour combien de temps? Le temps qu'on t'extire pas de l'alarme. Et ensuite? Tu le mets là pour l'instant. On jaugera après. Alors, truc à savoir, c'est qu'ici, l'Eniripsa est immunisé au trou. Pourquoi? Bon, ce n'est pas dégueulasse. Pourquoi il est immunisé au trou? C'est quoi ce délire? Parce qu'il vole. Non, parce que j'ai l'Ocarina Draconique. Ah, d'accord. Si c'était vraiment parce qu'il vole, ça serait partout pareil, en fait. Ça serait pas très logique. Bah oui. Je me mets où, moi, à coup? Tu vas te mettre derrière... Attends. Tu vas te mettre derrière Nice. Tu te téléportes de base, hein, qu'on soit d'accord. Je me téléporte? Ouais. Tu te téléportes, tu avances là, tu mets un portail, et tu tapes au Grest, et après tu te mets sur le côté là où il y a le foreur. Déluge? Ouais. Merde! Exalté, c'est mieux. Bon, moi, je suis soigné. Après, je finis où, tu m'as dit?
encore un coup et t'essayes de terminer sur la ligne du Forer. Tu te mets là et tu te fais un portail céleste. Ça te régénère tes power fou au cas où. Ah ouais, j'en ai besoin. Oui, oui, vous avez bien lu, moins 7 PM. Moins 7 PA, pardon. Ouais. Ton Lily a pris tarif. Ouais. Ah, là, elle a craint un petit problème. Un petit peu chaud pour elle de DPS. Oui. Si je fais ça, je tombe, alors bon. Sauf si je fais que reculer à chaque fois. Ouais. C'est peut-être ce que tu vas devoir faire, hein. Mmh. Je me mets là, comme ça, tu recules ici, tu tapes, tu recules ici, tu tapes... Ouais. Ainsi de suite, ouais, j'avais compris, t'inquiète. Tu m'excuses, je vais reprendre ta place 5 secondes. Vas-y, vas-y. C'est pour ramasser l'alarme. Là, tu te fais pas chier avec. Yes. C'était pas pour faire le... Du coup, je tape. Tu avances et tu tapes. Ah. Mince. T'es en veine. Je reste là ? Ouais. Parce que là, j'ai été donné aussi au fracas niveau 2. Non, tu te casses, du coup. Je peux pas, je suis bloqué. Pas doué, je déconne. C'est toi, il m'a pas dit. Je peux pas, du coup. Est-ce que je lui mettrais pas une petite destruction dans les dents? Essaye si tu veux. Essaye juste de terminer là, quoi. C'est tout. Quand même. Tour prochain, je te stabiliserai, comme ça tu n'auras pas de soucis à te faire là-dessus. Et moi, je tape comment à coup ? Toi, vu que t'as le sablier, tu peux te mettre sur cette ligne-là encore. Et du coup, je serai pas une éclus, c'est pas grave. Toi, c'est pas grave. Vu que t'as le sablier, tu peux taper en dehors des lignes, justement. Ça roule. C'est cruel, mais c'est le meilleur truc à faire. Pauvre Lapino, il a rien demandé ici, il est obligé de se jeter dans le vide. Ouais. Je déplace un portail ou quoi? Oui. Après, tu fais comme d'hab. Je finis mon tour où? Là. Bah, si je refais un sort, je dégage. Tu tapes plus du coup. Ah, moins 1 PA. Je sais pas si ça va. Hein. La perte sur mon écart est minime. Bon, là, tu te casses. Ça fait quoi, en fait? Le fracas, c'est un peu comme le truc des robots, c'est ça? Non, en gros, c'est que tu prends de plus en plus de dégâts. D'accord. J'aime bien Miss. Ah ouais, ça va, j'ai rien pris 1 PA, puis d'un coup, moins 12 000. Oh. Ça fait un peu mal. Je le taperai un peu et ouais, je me casse. Je prendrai tes portails. Allez. Je vais vers où? Je sais pas. j'avoue, là, c'est un peu chaud à dire. Mais en gros, il faut pas que tu sois aligné avec qui que ce soit, donc je crois qu'ici, c'est mieux. Donc en gros, je prends le portail et je me casse là-bas, ok. Ouais. Lacra, t'as pas besoin de setup quoi que ce soit, je t'ai stabilisé. Normalement, je bougerai pas. C'est ça. Yeah, ça marche. Sauf si je suis con, mais ça c'est notre histoire et... Je reculerai d'une case par... Au cas où.
là, tu frappes, tu prendras le portail et t'iras là où je t'ai dit. Tu vas peut-être bouffer le RALPA. Garde quelques PA aussi. Ouais. Tu vas bouffer le RALPA, par contre, on n'a pas d'autre choix là-dessus. Pas grave, donc là. Et du coup, sur cette phase, il faut que personne soit aligné avec personne. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller exactement à certains endroits. Tu restes là avec la croix? Ouais. Si tu vas trop loin, tu vas prendre le RAL. Yes. Ce qui va arriver à Lenny. C'est ce que Lenny subit depuis tout à l'heure et ça lui fait pas du tout de bien, crois-moi. J'imagine. Je m'étonne. Donc du coup, avec l'Hélio, tu fais le même plan. Sauf que tu termines là. Ça roule. Tu as le droit de te régénérer. En point de vie? Oui. Ah ouais? Oui, parce que tu seras pas très loin du cac d'Ogrest. C'est peut-être mieux, oui, si tu veux pas trop mourir. C'est ça. Et je finis où, tu m'as dit? Là. Donc tu peux reculer, faire un sort et re-reculer, refaire un sort. Bon, c'est déjà bien comme ça. Bon, on est bientôt à 1 million de dégâts. Yes. Passe à une nouvelle phase, la phase ébène. C'est un mec qui a dépété. C'est une team improvisée, honnêtement. Je vais pas mentir. Pourquoi? Il faudrait pas que je sois dépété avec mon dégât, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est... D'hab, je joue pas avec ça, quoi. Ouais. Alors, du coup... Aïe Là, normalement, tu serais mort en temps normal. On l'a jamais eu, la phase ébène, si? Ah, si. C'est cette phase. C'est the phase. Cette horreur, putain. Je me souviens plus ce qu'il faut faire. Laura qui fait super mal, tu te souviens pas? Laura qui fait super mal? Non, ça me dit rien. Comme quoi, j'ai pas une très bonne mémoire sur certains trucs. Tu te souviens quand mon Fekir il s'est fait one shot à cause de ça? Ah oui. Voilà. Après ça, c'est l'autre. Et il nous restera plus que le turquoise après l'ocre. Ouais. On en est presque à la moitié, allez courage. Ouais. Je fais quoi moi du coup? Alors du coup ce que tu fais c'est que tu te mets là, tu tapes et tu te casses là-bas. À peu près. Tu ne touches pas au Grest. Enfin, tu vas pas à son contact, tu le tapes à distance avec ce que t'as de possible. Ok, et je vais où? Et après, tu vas sur le marteau. En vrai, tu vas sur le marteau et tu ressautes ici. Je peux pas. Ah, ok. T'inquiète, je vais improviser un truc. Je fais quoi avec au la pire. Croix? Tu tapes. C'est un putain de bon jeu. Et tu tapes un coup ce truc. C'est bon, tu te remets là et tu tabasses le boss. Ah oui, peut-être qu'il te manque de HP. Oui. Un peu. Alors du coup, je vais éviter de vous soigner parce qu'après... C'est le Hulk. Oui. Peut-être un peu quand même le nu et les cas, non? Les cas. Oui, les nus, non, il va se faire. Ok. Brutal envers mes propres persos, je sais. J'adore ça. J'aurai le droit de me soigner à la fin ou pas? Non. Je prends les PA? Oui. Dis-moi ce que je fais. Tu te mets là, tu décales un portail, tu le fracasses sa gueule et tu termines ici. Allez les gars, allez! Du coup, je peux pas me soigner? Non. En tout cas, on est déjà bien mieux parti que la dernière fois. Ouais. On encore descendre ou pas? Oui. Parce que même quand il est stable, je peux le bouger.
D'accord. Enfin, quand je dis je peux le bouger, je dis ça avec les artefacts, hein. Oui, bien sûr, oui. Autrement, tu peux pas le bouger de toute façon. Les Nutrof survivra. Yamete, je me casse. Help, help. Aïe, aïe. Alors, l'avantage quand même, c'est que quand c'est le Fekka qui peut tanker comme ça, un peu comme il veut, au final, je m'en sors assez bien, quoi. J'ai un moyen de le contrôler, je peux... Par contre, comment ça se fait qu'on lui fait plus beaucoup de dégâts? Comment ça se fait qu'on monte plus beaucoup le score? Parce que c'est votre DPS qui fait monter le score, là. Parce que depuis tout à l'heure, on est dans les 800 000. Oh, c'est notre DPS qui fait monter le score, mais quand on en fait... quand c'est un peu difficile... Quand on a que les phases difficiles, c'est dur, quoi. Même topo, tu t'approches pas trop, tu lui frôles le cul, tu lui pètes les dents, et tu te casses. Bah tiens, t'as vu, par exemple, là, le score, il a pas augmenté le score. Si, si, il monte, mais en fait, il monte assez lentement. Tu peux taper avec 3 cartes, ça risque rien? Oui, tu peux. Et tu te casses. Où ça? Toujours là-bas, voire même là. Ouais, c'est juste parce qu'on galère. Termine là, normalement, c'est bon. Juste parce qu'on galère un peu, c'est tout. Un peu. Rien du tout. Ça devrait passer en vrai. On est bien parti pour. Ouais. Alors du coup, je sais pas que je fais le crevard. Tu peux te téléporter là-bas, le taper de là et finir ici. Je me mets où du coup là? Là. T'as plus peut-être avant, non? Bah, il décalerait le portail pour ça. Ah, trop tard. Ah! Fallait finir là-dessus. Faut supprimer les larmes, sinon on est vraiment dans la merde. On peut pas bien se placer sinon. Ouais. C'est vraiment pour ça que je dis. Ah, du coup, on a perdu un tour de full DPS. Alors, Miss, là tu vas le coller cette fois. Ouais, ok. Parce que je t'ai enchanté. Donc, du coup, tu résistes aux dégâts stasis à présent. Ok, ça marche. Oh, à son cac en face, direct. Ouais. Ah merde, quel idiot, j'ai oublié d'immuniser un truc. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'immuniser un truc. T'en fais cas? Non. Quoi? Il est nu. Le lapino. Ah. Est-ce que c'est grave? Oui. Parce que je peux pas le coincer là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos jambes à nos coups, on va se barrer à 50 km. Je le tape pas avec les cas du coup? Si tu peux. Ah je vais pas à son cac. Si tu peux mais ça servira pas. Au final, vaut mieux juste essayer de tous se regrouper par là-bas. Donc je le tape pas, quoi. Tu peux aller le taper si tu veux, toujours. Et finir ici, comme ça, au cas où. S'il fait sa course, il termine là et... Ça devrait bien se passer. Faut ça juste marche. Que tout le monde se regroupe dans ces environs-là. Ok. Comme ça, on oriente son regard vers le bon endroit, quoi. Juste pour bien synchroniser le truc, tu peux le mettre là. Et la crâne, je me mets. Par là, hein. Donc là, du coup. Alors là, je vais faire une petite fleur pour les cas parce que j'ai fait de la merde.
parce que aussi elle va tanker ce truc. Possiblement, hein, je veux dire par là. Faudra que je fasse quoi avec Elio? Tu tapes. Il nous faut un minimum de parasites histoire de bien orienter son regard. Ça marche. Je le tape quoi, Earth? N'importe quoi, tant que ça fait des dégâts. Et tu te remets en serein, tu termines là où tu es. Je reste dessus? Ouais. Là, il va faire un méga boost de PAPM. Ça, c'est chiant, en fait. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dis pas que c'était prévu, mais... Changement de phase. Tu peux me résumer direct ou pas? Oui, c'est ce que je vais devoir faire de toute façon. Ouais, sinon je crève. Ah putain, mais plus qu'un tour déjà, la vache. Ouais, après, là on passe sur le ocre et après... Il faut vraiment optimiser la phase, du coup. Après on part sur la dernière phase. J'allais le faire dans tous les cas, je veux dire... Hop. Hop. Merci. Quelle envie que je suis. J'ai mal placé d'une case. Une fucking case. Oh merde. Pas grave, on va quand même pouvoir le coincer, mais... Enfin, le souci, c'est que c'est pas aussi efficace que je pourrais le penser, quoi. Mm-hmm. Tu vas prendre cher avec ton énu, là. Ouais, mais ça fait partie de la strat, t'inquiète. Mm-hmm. Donc, ce que tu fais, c'est que tu roulades et tu vas là. Où ça, tu m'as dit? Là, et t'as même pas besoin de taper, sauf pour cribler au graisse. Y'a pas de rocher à côté de lui, donc du coup, on peut pas lui infliger de dégâts. Hop, ouais, mais je le crible, moi. Ouais, je vais prendre les PA, je crois que j'en aurais horriblement besoin. Oui. Là, tu décales juste ici et tu... Philosophie... Et je? Bah... Tu prépares ta veine, tu... Enfin... Et donc, du coup, Ickle, tu passes par là. Tu contournes le marteau, hein, quand je prends l'ancrage? Ouais. Tu prends l'ancrage, tu contournes le marteau et tu heurtes mon Feka jusqu'à sa mort. Ah ouais? Ouais. Tu veux le tuer? Non, on lui a fait de lourds dégâts déjà. C'est un bon début. Continue. Je peux faire un walkmeer si tu veux en dernier. Non, j'ai perdu assez d'HP. Fais-en hein, ici plutôt. Merde! Début. Bon bah, trop tard. Recule bien. Comme ça, soit il te touche à peine, soit il te touche pas. Alors là, c'est la phase auquel on va pouvoir jouer de plus du maximum de dégâts. Non, c'est pas dégueulasse. Hop. Tu termines là avec ton Eka Flip, Miss, et tu termines là avec ton Kra. Ça marche. Oh putain, 67 000. Eh ouais. C'est une mécanique du boss, hein, donc du coup je le savais plus ou moins. Je me doute, t'inquiète. Je le tape pas avec les cas? Ah si.
On peut le massacrer, ok. Oui. C'est juste que je pense à me garder au moins un PA pour me déplacer. Donc tu marches jusque là si tu peux. Tu tapes et tu termines ici. Je me mets pas là où tu m'avais dit avant. Oh, c'est mieux ici en fait, après réflexion. Attends, le heal. Critical shock max. Termine ici. Ah, sur le côté maintenant, pas derrière. Ouais. Donc là. Ouais. Ça marche. Comme ça, t'évites de tuer mon Eneripsa au passage. Ça serait très très con. Ah, de quoi à coup, je te passe quoi? Tu te mets là et tu fous le déluge. Et c'est tout. Ça marche. Et je finis où? C'était très bien ici. Ok. Alors du coup, sans le vouloir, j'ai fait attention à ce que cette ligne ne soit pas du tout occupée par des rochers. Donc du coup, vous pouvez vous amuser à vous réfugier à partir de là. D'accord. Et un suicide de Feka qui en a demandé un. Moi. Oui, c'est à ce moment. Ils vont exploser là, les rochers, c'est vrai. Et un gros suicide de Feka. C'est fait exprès? Oui. Putain, ouais. Pour monter le DPS 200 000 encore. Ok. Quand je fais un truc, c'est vraiment pour des bonnes raisons. Ok. Pas fait au hasard. Je le tape et je me casse? Ouais, tu te mets là pour le taper et tu termines ici. Je peux lui mettre une destruction dans le cul? Oui. Et tu m'as dit où? Magnifique. Là. L'Elio, il continue à faire ses déluges et il termine ici. Pas ici. Ça roule. Ça roule. Dans l'idée, quoi, en tout cas. Maintenant, je suis plus obligé de me restreindre sur les soins et ça, c'est cool. Enfin, je veux dire par là, full HP, autorisé, tout ça, enfin... Yes. J'ai mis, donc du coup, j'ai pas de soucis. Tu veux, Jim, tu peux juste mettre un chacha ici pour... Tu tapes, tu t'enfuis et tu vas à côté de la croix. Avec le portail. Yes. Dernier souvenir, petit con. C'est ça. Et où tu m'as dit? Attends. Là. Ici, c'est piégé en fait. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais il est con ce chacha. Donc du coup tu le fracasses et tu termines là. Dans les... Mais je te conseille plus cette case là. Il va prendre tarif là au gaz, non? Mais il a pris tarif, on a fait presque 1 million sur cette phase. Ouais, attends, tu m'as dit mais le rocher ça le tape pas? Ça le tape pas le rocher? Là normalement rien ne te touche. Et en plus tu te mets pas en zone avec les nutrophes. Et non les rochers ne lui infligent pas de dégâts. Oh dommage. Ok, oh, phase turquoise. Dernière phase de Dofus. Alors du coup pour les cafés de l'écras j'ai dû les zoner mais on n'avait pas eu le choix. Ouais, bon c'est pas grave. Tant qu'ils sont encore en vie, ça va. Yes. Ouais, c'est à cette phase là qu'on était mort, c'est vrai.
Non, non, c'est celle précédente. Enfin, celle d'avant. Ah ouais. Celle-là, on avait survécu, on avait vu ça, on avait rigolé comme des cons. Ah oui, exact, oui. Enfin, je récupère mes portails. Merci pour l'imitation. Ouais, je sais, je suis maître imitateur de... je déconne. Hein. Alors du coup, ce que tu vas faire, Ikel, c'est que tu vas prendre ça et que tu vas péter tous les rochers sauf celui central. Je les pète à distance ? Ouais. Ok. T'as l'impression d'avoir une boule dans l'histoire, non ? Oui, y a un truc qui me plaît pas, là. En gros, pour chaque rocher que tu vas péter, tu vas réduire 200... Tu vas réduire 50 restes supplémentaires sur Angrest. Ok. Et d'ailleurs, vos maîtrises sont inversées, donc du coup, les capis à distance et le cry, il est au mêlée. Allez, à plus. Ouais, c'est ce que j'étais en train de lire, j'étais en mode, mais non, c'est une blague. Et moi, je suis quoi, du coup ? T'es mêlée. Mêlée, ok. Ah, j'aurais dû prendre le sort R. Je voulais trop taper le sort R. Ouais, en plus, il est sur un portail, là. Bah oui, putain, je suis trop deg. Du coup, je fais quoi ? Donc, du coup, toi, tu tapes, t'as pas grand-chose à faire, tu ne dois surtout pas ramasser ce truc. Est-ce que je vais au cac, vu que je suis mêlée ? Oui, tu vas au cac. Allez, bonne chance. Genre là, ouais, c'est bien. Ouais. Ah oui, mais les zones, du coup, aussi. Oui, merde. Je me mets où ? Reste loin, quand même. T'as beau avoir des dégâts mêlés, c'est pas pour autant que tes passifs ils sont mêlés non plus. C'est ça. C'est clair. Mais tu sais que même les cas, j'ai encore de la maîtrise mêlée quand même, j'en ai encore 500. Normal, c'est parce que j'ai pété ça. Hein ? Tu sais que quoi, je suis à quoi de maîtrise mêlée ? Vas-y. 1600. Eh, tu sais qu'on peut faire mieux ? Ah ouais ? Va ramasser ce marteau, tu comprendras. Ok. J'ai dit va ramasser ce marteau, mais en fait je vais t'y forcer. D'accord, bon, si on me force en plus, super. Il y a même plus consentement. C'est obligé là. C'est qui le consentement, mais. C'est qui le consentement ? C'est qui ce monsieur ? D'accord, bon, ok, j'ai compris. Là t'étais vraiment obligé. Mon rôle c'est de péter ces rochers, comme dit. Je les tape avec quoi les rochers pour être sûr de les péter ? Un heurt en serein. En serein, d'accord. Parce qu'en fait, tu vas toucher le double rocher ici et le double rocher ici avec erreur. T'es trop malin, toi, en fait. Faut qu'on te garde. Ouais. Je prends les PA ou pas ? Ouais, Ikel en aura pas besoin, je pense, pour son rôle. Il non, moi j'ai besoin du point de Wakfu, moi. Je préfère le point de Wakfu. Ouais. Tu te mets là, tu pètes. La gueule à ce con. Est-ce qu'on ressent bien la maîtrise mêlée, là ? Ta gueule. Ta gueule. Je vais où ? Tu restes là, c'est bien. Ok. Donc, du coup, le point... Serein. Heurt. Remets-en un. Tu décales le portail ici et tu en remets un. Tac. Allez, ça pète. Oh, nickel. Nice. Il y a une pulsation sur ce con. Et tu le termines ici. Pourquoi j'ai tapé 0 ? Parce que... T'es le dernier à avoir tapé des rochers. D'accord, ok. Parfait, je suis à 4 points de Wakfu, donc s'il va falloir le péter la gueule, je vais pouvoir le péter la gueule. Donc du coup, ce que je vais faire... Bon, j'ai récupéré un point de Wakfu. Cadeau. Je t'ai replacé mes laits du coup. Bon, je sais pas si c'était le meilleur plan, mais... Oh putain, je suis mêlé.
Regarde ta maîtrise mêlée maintenant. 2400 mêlées. Mais ça t'a bu. Ouais, 2500 mêlées. Avec la crush tap. Oh putain. Ouais, tu tapes en mêlée toujours et tu termines ici. Il te reste de pour Wakfu, tu le fais, tu... ça sera bien quand même, quoi. Et du coup, à coup, je tape en mêlée moi ou pas? Oui. Du coup, en phase, en tour 18, il va falloir terminer tous alignés à l'unique rocher restant. Ok. Ok. Voilà, c'était ça la douille de l'histoire. D'accord. C'est parce qu'en fait, c'est aussi notre ligne de vie. D'accord, il n'y a que ça, ok. Ah oui, c'est vrai, je t'avais revu, j'avais zappé ça. Est-ce que je pourrais... Je peux pas marcher dans la case là, on est d'accord? Non. Par contre, tu peux décaler le portail ici, te mettre ici, full déluge le truc. Ouais, ouais, c'est ce à quoi je pensais. En plus, j'ai 6 points de Wakfu, donc tous mes déluges vont faire mal. Quoi que je réfléchis mieux, en gros, tu te mets là, tu mets le marteau, tu te décales ici avec une brèche, tu mets le portail et... Attends, pourquoi ici? Donc tu te mets là, tu fais le marteau. Je me mets où moi? Là. D'accord. Donc tu te mets là, tu mets le marteau. Attends, on va faire ça ensemble. Ouais. Je passe là pour pas mourir. Hop. Tu brèches ton pot ici, tu décales le portail là et tu fous le déluge. Attends. Brèche ton pot, hop, ici. Une pulsation. Ah putain, il y a le foreur. Pulsation. Et tu spam vite. Merde. Retard. Putain. Oh, on a perdu notre tour. Bon, c'est pas grave, non. On a les 2M. On va dire ça. J'avais pas vu le foreur, putain. Moi non plus, j'avais pas vu, je te jure. Putain, mais 60 secondes, c'est beaucoup trop peu des fois. Il en avait 30. Ouais, oui, là. Là, c'était impossible. 30. Donc, il devrait au moins mettre 40 pour être bien. Là, on va devoir tous s'aligner au rocher. Hein. Ça marche. Sauf les gros cons. Mais la destruit du coup. Là. Ah oh putain, je suis dégoûté. Bon, au moins, il arrive à son terme, Stogrest. Cette fois, oui, on ne sera pas mort. Est-ce qu'on va dropper maintenant? Si je drop, mon gars. J'aimerais tellement un emblème, là, putain. Si tu drops, je te parle plus, Miss. Oh, pourquoi? Parce que... Je croyais que tu devais pas être aligné avec ton PK. J'ai dit que j'étais complètement inconscient. Je reste là? Ouais. Du coup... T'essayes de profiter de ta maîtrise mêlée, tu te mets là, tu tapes... Ah non, tu vas crever après. Ouais, je vais crever après. Ouais. Bah, tu te mets là, tu... Je peux me mettre à côté du Feka, sinon je peux me mettre à côté de Feka. Ouais, vas-y. Je fais quoi, Hurt? Déluge ici. Wouah, 21 000. C'est quoi cette vue? Imagine, d'ailleurs, il a encore moins 100 res, il venait de passer exalté. Et là, il y a un sort que j'ai pas pu lancer. Hein. Donc, du coup, tout à l'heure. Et il était d'eau tout à l'heure et pas de phase. Donc, du coup, ça faisait 40 000 gratis par déluge. Et il pouvait en lancer 4 normalement. Oh, ma crâne a pas aimé. Hein. Ouais, non, mais c'est bon. Ok, là, il y a plus de phase pour lui. C'est.
Vous avez vu ce qu'il a eu le foreur dans sa gueule. Voilà. Il a disparu. Ah putain, je suis dégoûté. J'ai loupé mes deux tours avec Helio. C'est quoi la casse qui clignote? Ça veut dire quoi? Alors du coup, celui qui se met dessus survit. Moi, je ne mérite aucunement d'être dans cette case. Il n'y a qu'une seule personne éligible à cela. Qui? Mon Ekel? Alors, ouais, Ekel, pas toi, parce que t'es déjà mort. Donc du coup... Ah oui. Bah, mon Ekel aussi, il est déjà mort une fois. Non. Si. Regarde. Ah si. Bon bah... Lacra. Ouais, reste c'est la seule. Elle est morte quand, Lekka? Je sais plus... Au corps à corps. Ah oui. On peut le taper là? Oui. Comme vous vous sentez. On lui aura pas fait beaucoup de dégâts, enfin 2 millions quand même. C'est pas mal, non? Ouais, ça va. Pour un premier vrai ogre, pour nous du moins. C'est clair. Après, c'est loin des 4 millions que vous faites avec Shay, mais bon. 4 millions 5, j'y tiens. 4 millions 5. 4 millions 6, j'y tiens. Pourquoi? Et du coup, là, on peut le taper pendant 2 tours, là, c'est ça? Ouais. Ok, bah je vais setup mon truc pour faire des dégâts, là. Non, en fait, toi, un tour, y'a que ça qui peut taper 2 tours. Ah, merde. Bon, bah... Vu que c'est le dernier, vu que c'est la dernière ligne droite, enfin ligne droite. Autant taper avec le Faker aussi. Exactement. Fonce. Défonce-le ! Bah voilà, on va mourir maintenant. Je me mets où ? Bah n'importe où, tu vas crever de toute façon. Non ! Je veux pas mourir ! Je refuse la mort ! Je refuse la mort ! Je me mets... Attends, hein, je peux pas me résu ? Dommage. Chez. Bah et toi pour la peine je meurs en exaltation. Parce que je suis beau gosse. C'est là qu'il y a un bug à l'Ankama, t'as Nora qui se balade ici. Je suis mort le dernier, je tiens à préciser les gars. Nora, qu'est-ce qu'elle prend là? Bah tu tapes. Prends le côté en vrai non? Non parce que si elle prend le côté, elle retournera pas ici forcément. Ah oui. Je savais pas que c'était un cramélé, donc pas. Hein. Je le savais pas non plus. C'est stylé de ouf. Et donc, du coup, je vous avais dit qu'on mourrait tous normalement et que c'était notre destinée. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a un survivant. C'est Macra. Mais c'est pas parce que t'as survécu face à Ogrest. C'est parce que tu utilises un artefact pour te barrer. Je me souviens pas de cet artefact.